Bonjour et bienvenue à Nous Jamande. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un flan sans œufs, juste avec trois ingrédients, sucre, lait et agar-agar. J'ai mis de la vanille aussi dedans, donc ça fait quatre. C'est un flan que j'ai fait au Thermomix, mais bien sûr, on peut le faire sans. Les personnes qui n'ont pas Thermomix, ils peuvent tout simplement le remplacer par une casserole où ils mettent les ingrédients que je vais vous dire et touiller en permanence avec une cuillère en bois. Donc, on passe tout de suite aux ingrédients. Donc, pour ce flan, je vais avoir besoin de 50 g de sucre, un sachet d'agar-agar de 2 g. J'aurai besoin de vanille, moi j'utilise la vanille liquide, et j'aurai besoin aussi de 500 ml de lait. Je commence déjà par préparer mon caramel. Donc, dans une casserole, je mets une cuillère d'eau et je rajoute 50 g de sucre. Voilà. Et je laisse faire mon caramel. Voilà, mon caramel, il s'est fait. Voilà, je vais retirer du feu. Je remplis mes verrines de caramel. Je mets juste, je dis je remplis, mais je mets un petit bout dans le fond des verrines. Donc voilà, dans le Thermomix, je mets sur balance et je mets 500 millilitres de lait. Voilà, 500 grammes. C'est revenu à 490, je rajoute un petit bout, voilà 500. J'ajoute les 50 g de sucre. Je mets la vanille liquide. Et le sachet d'agar-agar. On essaie toujours de mettre sur le côté, pas sur l'embout là du milieu, sinon ça va rester collé. Donc, je mets sur 90 la température. Je programme pendant 8 minutes et je mets sur vitesse entre 2 et 3. Au début, le mélange, il est vraiment liquide. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. On verse tout doucement. Je vais les laisser refroidir un petit peu dans la cuisine et après je mets un film alimentaire dessus sur chaque verrine et je les mets au frais pendant 2-3 heures. Voilà, mon flan il est frais, je vais le retourner